Le filet, bon travail en défensive de Matteo Mann avec son bâton. Empêche le joueur des Cataractes d'attaquer. Une passe de tir et Calais, Schenk! Il vient de priver un but à Charles Beaudoin. Pour Nadeau à la ligne rouge, j'ai rejoint Bourgault, c'est bien fait. L'attaque du côté gauche prend le centre, sa passe manque de précision et ça permet aux Sags d'attaquer. On est du côté gauche, une belle feinte, une passe et le but! Finalement, ce n'est pas une passe, mais bien une rondelle qui a échappé aux joueurs des Saguenayens, Lévesque. Et le gardien de but, Coulombe, a été un petit peu mélangé. Les Saguenayens qui marquent le premier but du match. Lévesque a effectué une très belle feinte devant Ménard en entrée de Coulombe. Et c'est Farmer qui prend la rondelle. Passe au côté pour Boudrian. Ligne bleue, c'est pour Fredette. Un tir, arrêt de Coulombe. Au retour et le but! C'est Hood devant le filet qui profite d'un retour de lancer. Et les Saguenayens mènent par deux. Tout ça dans la première minute de la deuxième période. Tir du point d'appui. Et le retour a été laissé libre dans l'enclave. Et Chicoutimi qui mène 2-0 à l'endroit de Rafano Mazensoa. La rondelle qui va quitter jusqu'au centre. Martin reprend la rondelle. 3 contre 1. Passe l'autre côté à Polomarev. L'autre côté à Nadeau et la but! Olivier Nadeau marque le premier but des Cats cet après-midi sur une très belle pièce de jeu amorcée par Jérémy Martin qui a passé à sa gauche à Ponomarev et lui à Nadeau par la suite qui était seul de l'autre côté. Et avec 17 minutes 50 secondes, modèle qui était bondissante. C'est Lévesque qui prend la rondelle derrière la ligne des buts, passe à la gauche et c'est Bourgault qui va s'amener 2 contre 1 avec Martin. Bourgault s'amène, un tir à la but! Xavier Bourgault marque le deuxième des Cats, c'est 2-2. Les Cataractes qui nivellent la marque. Xavier Bourgault dans une descente à 2 contre 1 avec Jérémy Martin sur sa gauche. A été patient, a tout d'abord battu le défenseur qui s'interpose. Très rare qu'on voit Bourgeois alors que les Sags vont attaquer. C'est Boudria, son tir, arrête Coulombe! Oh! 2 défenseurs viennent de s'échanger des chances de marquer. D'un côté, j'en parlais, Pierre-Olivier Bourgeois et de tour. Veut couper vers l'enclave, légèrement gêné par Pouliot. Toujours avec la rondelle, Nadeau dans l'enclave pour Pépin. Son tir, arrête Schenk, au retour et la but! Olivier Nadeau avec son deuxième but du match donne la victoire aux Cataractes en prolongation contre les Saguenayens. Rappelons que Shawinigan tirait de l'arrière 2-0 après 40 minutes de jeu. Ils vont chercher une grosse victoire contre Chicoutimi. Et tout ça, là, en partie grâce à Olivier Nadeau. La contre